PEGI 18. Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode numéro 5, tout est possible. Aujourd'hui on va découvrir le mode capture de drapeau. Donc ce qu'on dit en fait en général de ce mode là, c'est que c'est pas un mode vraiment extraordinaire, c'est un mode de campeur etc, donc c'est pas vraiment le cas. Donc là je viens d'arriver en cours de partie, je vais vous montrer directement que c'est pas vraiment... Bah que c'est un mode en fait qui a des avantages et des inconvénients. Donc il a très peu d'inconvénients, mais franchement ce mode là tout le monde le fait pas, parce qu'en fait il y en a, ils se disent ouais mais il y a tant de réapparitions etc, ça prend beaucoup de temps. Donc là je suis dernier comme vous avez vu, j'ai 0-0-0 partout parce que je viens tout simplement d'arriver. Donc il y a déjà pratiquement une manche qui a été faite comme vous pouvez voir en fait. Ils sont déjà à 2 sur 2. Et vous allez voir qu'en fait ça peut finir en 4 manches capture de drapeau. Je le savais pas en fait, j'étais agréablement surpris par rapport à ça. Je pensais que c'était juste en fait une mi-temps comme domination 2 sur 2 et c'était terminé. Mais en fait c'est pas vrai. Donc là vous allez voir que c'est vraiment intéressant comme partie. Et capture de drapeau comme je vous ai dit, c'est pas vraiment le mode le plus dégueulasse qui existe hein. Donc en fait tout ce qu'il faut faire c'est être malin. Parce que si par exemple vous avez le malheur de mourir 50 fois dans la partie, c'est sûr et certain que ça va pas être agréable pour vous. Parce qu'il y a un temps de réapparition, donc ça donne pas envie. Vous voyez déjà, j'arrive dans la partie, je capture déjà un drapeau, je l'ai déjà posé. Donc comme quoi qu'en fait il faut juste être mobile. Mobile et stratégique à la fois. Donc là vous allez vous rendre compte qu'en fait je suis pas monsieur camp. Parce que ça sert à rien de faire le campeur etc, parce que c'est ça qui va vous perturber, qui va vous dégoûter du jeu tout simplement. Il faut être juste en activité sur la carte et être le plus mobile possible. Et en même temps vous allez voir que cette stratégie ça paye au bout d'un moment, parce qu'en même temps vous êtes un peu partout, donc l'ennemi ne sait même pas où vous trouver. Parce que si vous êtes dans un coin c'est tellement facile de vous débusquer. Moi c'est facile et c'est pas facile, parce que vous avez tendance à rester dans le même coin pendant 20-25 minutes certains. Donc c'est pour ça que je dis ça. Je dis pas bien sûr c'est le cas de tout le monde hein, mais ce que je constate, ce que je vois, c'est qu'en fait ils ont tendance à rester dans un coin. Après ils se posent des questions pourquoi ils se font tout le temps tuer. Parce qu'en fait le but c'est de bouger. C'est juste ça qui peut être dérangeant comme vous avez vu, le temps de réapparition. Mais bon, ça c'est pas vraiment un truc de waouh qui pose vraiment problème. Dès que vous êtes à fond dans le jeu, vous allez voir que c'est qu'on s'y fait au bout d'un moment. C'est juste une petite question d'habitude. Parce qu'il y a certains jeux comme Battlefield ou comme Metal of Honor qui ont un temps de réapparition. Donc bien sûr, on peut pas réapparaître tout de suite immédiatement comme sur Call of Duty. Donc après, on s'y fait, hein, comme je vous ai expliqué. Hein. Donc là, je suis sur ma zone en fait. Je suis sur ma zone, ce que je vais essayer de faire, c'est défendre. Parce que maintenant, j'ai un défi à faire, c'est défendre le maximum d'ennemis qui attaquent. Ça c'est franchement des défis super pas pensés, mais qui sont vraiment pas bien pensés, parce que ça encourage la camp. Déjà que ça campe énormément dans le jeu Call of Duty, mais là ça vous encourage encore plus à camper en faisant vos défis. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage, mais bon c'est pas grave. Donc là je vais essayer de me diriger vers là, regardez, tous les petits points rouges. Faut savoir une chose aussi, c'est que tout le monde sur Call of Duty joue un peu en mode fantôme. Donc il y en a là, vous voyez les points, malheureusement pour eux c'est un peu triste, c'est qu'on les voit. Mais il y en a plein qui jouent en fantôme, donc en fait vous allez voir que sur le jeu la plupart du temps n'ont pas vraiment... Il y a tellement de joueurs en fait qui vont se consacrer en fait avec leur assassin, pardon, avec leur fantôme. Et leur silencieux, ils vont camper dans un coin, ils vont attendre que vous arrivez sur eux. C'est ça que je trouve vraiment qui est pas trop fair play dans les gameplays. Mais bon après vous savez, hein, ça sert à rien de se prendre la tête par rapport à tout ça, parce qu'il y a de quoi devenir fou en fait. Hein. On peut pas critiquer la façon de jouer de monsieur tout le monde, comment il joue ceci, comment il joue cela, comment il fait ceci, on s'en fout. Le principal c'est vous, si vous faites plaisir, vous trouvez votre compte, c'est ça qui compte. C'est comme là le but de mon épisode tout est possible, il est vraiment simple, c'est vous montrer en fait qu'il n'y a pas que le ratio qui peut vous encourager à finir des super bonnes parties ou avoir ou remporter des parties avec des gros scores, des gros scores. Donc c'est tout bête hein, il suffit juste d'avoir une mentalité qui change, que si vous êtes là quelqu'un qui est là juste pour jouer, pour vous faire plaisir avec vos amis, bah vous avez tout compris. Parce que si vous êtes là pour faire que du ratio, bah dans ce cas-là, achetez-vous un Call of Duty avec un ratio 50. Ça vous fera un bon petit truc. Parce que ce qui est bien avec le ratio plus 50, c'est si vous achetez ce genre de choses, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'année, vous allez jouer, vous allez finir à 2,50, 2,3 ratio. Donc c'est bon, vous pourrez être correct. C'est pas ça le but, hein. Le ratio c'est bien beau, mais c'est pas ça qui fait le joueur. Donc après moi j'ai toujours eu des ratios positifs, mais franchement j'en ai plus rien à secouer si je passe en négatif. Hein. Le principal c'est de faire des belles vidéos, des beaux gameplays, des bonnes parties, s'éclater avec vos amis. Et franchement les mecs ils vous disent ouais moi je sais pas quoi, je te ceci ou je te sala parce que j'ai un truc beaucoup plus élevé que toi. Bah laissez-le, parce qu'en fait ce personnage là il est en manque de frustration. Il est tellement frustré, c'est qu'il est obligé de se cacher derrière un ratio ou derrière quelque chose.
Donc voilà, c'est un peu débile, mais bon, bref. Donc regardez, là j'ai encore capturé le drapeau comme vous avez pu voir. Donc là, ça y est, c'était la deuxième mi-temps qui a sonné. Et là, vous allez voir, en fait, j'étais vraiment surpris. Je me suis dit, bah ça y est, je suis arrivé en cours de partie, que c'est terminé. Que je me suis dit, ah regardez, déjà, je remonte, je suis à la troisième place dans mon équipe. Avec une manche de retard. Donc moi, je pensais tout simplement que c'était terminé, capture de drapeau et tout. Je me suis dit, ah bah voilà, c'est terminé, on a gagné, on a eu un coup de bol. Et bah non, ça recommence, il y a encore 5 minutes. Donc moi, personnellement, sur ce défi-là, j'ai sorti les béquilles. Parce qu'en capture de drapeau, je préfère sortir les béquilles que le tomahawk. Parce que c'est pas vraiment la même chose. C'est si je dois défendre une zone pour que l'ennemi ne puisse pas courir dessus. Bah tout simplement, il faut que je m'équipe en conséquence par rapport à l'explosion. Regardez ce petit malin, comment il s'est mis à camper. Faut savoir une chose, que les snipers, comment ils m'énervent sur ce jeu-là. Mais ils m'énervent. Désolé pour ceux qui aiment bien le snipe, mais des fois, c'est un peu trop lourd. Des fois, il y a des trucs trop flagrants. Je vous ferai des vidéos, vous allez voir. Hein, que je rigole vraiment pas là-dessus. C'est vraiment chiant de chez chiant. Bah après, il y en a, ils vont me dire, ouais, le fusil à pompe, c'est pareil. Mais le fusil à pompe, faut savoir une chose, qu'il faut être vraiment collé au corps à corps. Hein. Donc déjà, c'est quelque chose qui c'est... Le fusil à pompe, je peux pas dire c'est comme un sniper. Un sniper, ça doit rester en retrait. Mais un fusil à pompe, en fait, c'est du corps à corps. Donc le mec, je le respecte parce que déjà, il vient vers vous, vous cherchez. Et je sais que des fois, mais en même temps, la portée des fusils à pompe, j'ai fait un damé légendaire, j'ai gagné avec tous les armes. Donc je vais vous montrer dans les prochains épisodes que vraiment, il y a des armes où on a l'impression que c'est cheaté, mais il n'y a rien du tout qui est cheaté. Donc tout simplement, c'est les joueurs en fait qui sont de mauvaise foi. Et vous allez voir, hein, c'est que il faut être juste précis et faut être juste furtif. Donc vous allez voir dans les prochains épisodes, dans mes défis, ça s'appellera les défis. Et là vous allez vraiment vous en rendre compte qu'il y a des armes en fait qui n'ont pas l'air de rien du tout, mais qui font vraiment des sacrés dégâts, et d'autres qui font rien du tout. Hein. C'est comme les pistolets, on a l'impression que ça fait vraiment mal, mais ça fait rien du tout. Et j'ai vraiment un peu galéré pour faire ces défis-là, pour gagner une mêlée générale. Faut savoir une chose, que c'est ultra rapide. Mais bon bref, on va se concentrer sur la... Sur le tout est possible épisode 5, parce que là, dès tout à l'heure, je vous parle des trucs qui vont venir ou que je sais pas trop. Voilà. Donc moi, je me suis pas vraiment pris la tête. Hein. J'ai pris un drone, un groupe de chasse et un gardien. Parce que les grosses séries, c'est bien de les faire, mais j'ai pas le temps de faire des grosses séries. Comme ça, je peux jouer très stratégique. Je mets un gardien, déjà, je sais qu'il y a un ennemi qui est sur la zone de drapeau. Un groupe de chasse, c'est bien, parce que en fait, si je peux le balancer en milieu et dégommer le porteur de drapeau, par exemple. Parce que si des fois, je cours et je n'arrive pas à l'attraper, tout simplement, bah, je mets mon drone de chasse. Et le drone, ça me permet de voir où ils se cachent les mecs. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu prendre des grosses séries, etc. Pour ces deux raisons-là. Donc il n'y a pas vraiment... Après, vous pouvez prendre d'autres séries. Hein. Moi, je joue personnellement comme ça. En fait, je varie tellement mes séries. C'est que vous ne verrez jamais pratiquement jouer au même type de série. Hein. J'aime bien changer, j'aime bien varier. Je suis pas quelqu'un qui... Regardez, le gardien m'a annoncé qu'il y a un mec juste là. Regardez, je l'ai tué. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise le gardien. C'est pour ces deux raisons-là. Surtout, il y a des zones bien spécifiques. Hein. Par exemple, je le prends en domination et je le prends... En capture de drapeau. Après, en élimination confirmée, ça sert un peu à rien parce que les réapparitions apparaissent vraiment, vraiment partout. Donc, c'est assez aléatoire. Et que sur 3-4 types de manches, ouais, c'est ça, de 4 types de parties, en fait, comme domination, comme démolition, comme capture de drapeau et comme recherche-destruction, vous savez bien que les respawns sont tout simplement toujours d'un côté à un autre côté. C'est pas comme mêlée générale, où ça apparaît vraiment n'importe où. Après, c'est pas comme... match à mort par équipe, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait il y a des modes où il y a beaucoup de kill spawn qui se font. Voilà, donc là on a gagné, donc c'est bon, je me suis dit, ah bah c'est bon, on a gagné la partie. Donc en fait là on est déjà à 3 manches, je me suis dit, ah bah voilà, c'est bon, je commence un peu à rattraper. Donc regardez, là je suis deuxième de la partie, de toute l'équipe. Donc j'ai quand même réussi à remonter malgré que j'ai encore une partie en moins. Donc c'est pour ça que je vous dis, tout est vraiment possible, il suffit juste de bouger, d'être furtif. Ça sert à vous dire, ouais je sais pas jouer, etc. Tout le monde sait jouer, hein. N'importe quel joueur de Call of Duty sait jouer, sauf qu'en fait, n'écoutez pas ceux qui disent « Ouais, vous êtes un noob, un clochard ou quoi que ce soit, je joue mieux que eux. » Ça, c'est des grandes gueules, ça. Le problème, en fait, c'est que tout le monde peut jouer, il suffit juste de passer du temps et avoir le temps, surtout, de pouvoir le passer. Après, je peux dire qu'il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas. Après, si, par exemple, vous campez dans un coin et vous étonnez, en fait, pourquoi vous arrivez pas, c'est tout bête. Essayez de courir un petit peu, vous allez voir que au fur et à mesure, vous allez vraiment trouver votre façon de vous adapter par rapport à l'ennemi. Parce que moi, au début, j'avais du mal sur les Call of Duty, parce que j'ai débuté sur Call of Duty 4. J'avais vraiment du mal, parce que j'avais vraiment pas compris. J'arrive dans une partie, je me dis, waouh, ils sont super forts, j'arriverai jamais à les tuer, les mecs. Ils avaient un de ces niveaux sur Call of 4, c'est-à-dire que c'est les mecs qui rigolaient vraiment pas. Hein. J'arrivais, je mourrais, j'arrivais, je mourrais, j'arrivais, je mourrais. Donc je me suis dit, mais jusqu'à où je peux aller comme ça? Donc après, j'ai fait quoi? Bah, je vais un peu changer ma stratégie pour voir est-ce que si je cours un peu plus en mode bourrin, est-ce que ça va marcher? Et effectivement, ça a marché. Après, je me suis mis un petit peu au début à camper, ça n'a vraiment pas marché, donc pour moi, la camp, c'est vraiment pas ça. Parce qu'à chaque fois, je me faisais avoir dans un coin, ou à chaque fois, ceci ou cela, donc c'est pour ça que j'ai préféré
essayé de rusher au maximum pour surprendre mon ennemi et ça a vraiment marché. C'est ça qui a fait mon succès dans tous les autres Call of Duty en fait. Comme quoi que voilà, rester dans une zone à camper ça ne sert à rien. Et comme je dis, ouais, tout le monde peut réussir à être un bon joueur sur Call of Duty. Il suffit juste de savoir vraiment être malin. Plus malin, parce que n'oubliez pas que c'est des êtres humains qui jouent en face. Hein. C'est pas des ordinateurs en mode vétéran ou quoi que ce soit. Hein, qui sont vraiment pile poil sur vous. Donc un ordinateur ne vous loupera pas. Qu'un joueur en fait humain peut vous louper tout simplement. En même temps, un être humain, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est imprévisible. Donc il peut passer d'un côté, par-ci, par-là. Et en même temps, des fois, ils sont assez malins, c'est qu'ils se cachent et se disent pas que peut-être qu'il y a un mec qui va essayer de me dégommer par-ci, par-là. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis tout est possible. Hein. Débrouillez-vous, essayez de faire le plus, essayez de rester le plus serein possible. Ne vous prenez pas la tête, ça reste un jeu tout ça. Hein. Voilà, j'ai remonté la partie comme vous avez pu voir. Donc là, petit à petit, voilà, la partie est gagnée, les amis. Donc j'espère cet épisode numéro 5 vous a plu, donc tout est possible. Donc voilà, c'était l'objectif de vous présenter que tout vraiment, pour tout le monde puisse réussir à trouver son compte. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire à Call of Duty hein, ou d'autres jeux bien sûr. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter. En même temps, vous allez voir que je balance plein de belles choses rien que pour vous. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien les amis.